aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire des cocktails d'Halloween. Donc il y en aura un bon et un mauvais. Donc ce qui est pour faire la blague d'Halloween, voilà. Pour faire le premier cocktail, vous aurez besoin des pâtes, du sirop de menthe, mais vous pouvez prendre n'importe quel sirop, du moment qu'il est transparent. Des épices, donc moi j'ai pris 4 épices et de la cannelle. Un verre rempli d'eau. Donc un verre pour pouvoir mettre notre cocktail. Et on va pouvoir commencer. Donc pour cela, il va falloir mettre des épices au fond du verre pour faire un peu comme de la terre. Et avec les pâtes, on va faire comme si c'était des verres. Ensuite, on va mettre notre sirop de menthe dans l'eau et on va ensuite verser le tout et vous pouvez voir que ça fait comme des bulles dans le cocktail, ça donne vraiment cet aspect dégoûtant, mais en réalité le cocktail est super bon. Pour faire le second cocktail, vous aurez besoin du vinaigre, donc de préférence du cidre parce qu'il a plus une couleur rouge. Et après, bon, là par contre c'est pour les adultes, uniquement pour les enfants, je vous conseille plus de mettre de la grenadine dedans. Un verre, pour mettre le cocktail. Et ensuite on va mettre toutes les boissons que vous avez sélectionnées dans le verre. On va y rajouter du raisin qu'on va piquer avec des cure-dents pour pouvoir les manger plus facilement. Et donc voilà, celui-là est vraiment le plus dégoûtant, mais on dirait pas à l'aspect, il a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à laisser des commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je vous dis à la prochaine. Salut !